L'astigmatisme, c'est un défaut de vision au même titre que la myopie et l'hypermétropie. C'est-à-dire que c'est une forme anatomique de la cornée qui n'est pas sphérique, c'est-à-dire que tous les rayons de courbure n'ont pas la même dimension. Schématiquement, on peut dire que la cornée d'un patient astigmate a la forme d'un ballon de rugby au lieu d'un ballon de foot. Donc elle est ovale et les images ne se forment pas de manière adéquate sur la rétine. Donc ça, c'est un défaut de vision, comme la myopie et l'hypermétropie. La presbytie n'est pas en fait un défaut de vision, c'est un vieillissement du cristallin que tout le monde aura. Que le patient soit myope, hypermétrope ou astigmate, il deviendra presbyte. Donc la presbytie va s'ajouter à l'astigmatisme. Et l'astigmatisme est un défaut de vision qui est très fréquent et très fréquemment associé à la myopie et l'hypermétropie.